Alors, continuons ici. Je parle au vieux combattant. Oh, Hilarus le décrépit veut retrouver sa gloire perdue. Si on a 375, on était à 325 All-Stars. Tu t'es trouvé un lion pour assurer ta protection. Ça ne changera rien. Je vais le battre pour l'argent. Toi, je t'écraserai pour m'amuser. Alors. Oula, what the fuck? Attendez. Hop. Mais il est beurré ou quoi lui? Il est à battre le prétendant du bordel. Non, c'est que c'est moi qui ai fait un replay All Stars. Parce que les commandes, la donation d'Elvolir et la tienne, je les ai remises parce qu'elles ont bugué tout à l'heure. Donc pour remercier. Oh là, j'avais pas vu sa vie. Oula. Attendez. What? Ils sont trois. Putain, j'ai pas fait gaffe. J'étais pas concentré. Goblack, je te réponds après le combat. C'est plus compliqué que ça. Parce que la réponse en fait concrète est oui et non. Et voilà. Donc ça demande une réponse avec un peu plus de détails, Goblex. Et donc voilà. Donc en fait, j'ai eu deux dons aujourd'hui, un de 5 euros d'Elvolir et un de 50 euros de ta part. Merci encore à vous deux. Et résultat, je voulais. Comme ça buguait, je voulais remettre les annonces, simplement. Oh, il a. Je vois que ces rumeurs sont vraies. Ok, alors attendez. On va bien refaire le fight. Mais non. Pour arrondir, c'est ça. Ça, c'est l'arrondi, ça. Ça sent l'arrondi, ça. Je connais ça. Tu veux vraiment la jouer comme ça? Merci beaucoup, t'en mettre. Je vais pas y arriver. Putain. 25 balles encore. Aïe. Merci beaucoup pour les 25 euros supplémentaires. Putain, ils descendent pas, les mecs. Ça repose en paix. Ok. Wouh. Foutre diable. Merci All Stars pour les 75 euros en tout. Ah mais en plus on a 25. Oh attendez, voilà, il y a trop de trucs à la fois là. Il y a trop de trucs à la fois là. T'occuper d'éventuels problèmes. J'arrive plus à suivre. Hélas, je suis déjà engagé. Que dirais-tu d'un vrai champion de l'arène? Hilarus a été l'un des favoris de Pompée. Je vous réponds après les cinématiques. Vieux, mais tu en imposes toujours. Tu sais encore te battre? Si je... Noble dame, je suis Hilarus. La jeunesse est dans l'esprit. Je te promets que tu n'auras pas à te plaindre. Si mon élève n'a plus besoin de moi... Alors viens, nous discuterons des conditions en privé. Ha! Très bien. C'est du garde du corps très rapproché. Genre, hop. Bref. Oula! Attends, j'ai vu un bouclier de ouf là. Bon, la lance par contre maudite, elle m'emmerde un peu. Bouclier d'Hilarus. Ouh, il a l'air sympathique. Il a l'air sympathique. On va plutôt repasser sur l'épée en vrai. Toujours une préférence pour les épées. Surtout que là, la lance qui m'enlève 2 barres de vie, ça, vu comment je me fais éclater, c'est quand même pas tip top. Ok. Pourquoi j'ai plus la quête principale? Je ne sais pas parce que je suis dans l'eau. Maintenant, on va répondre aux questions dans l'ordre. Goblex, tout d'abord, est-ce qu'il y a une grosse différence entre le 1080p et le 1440p? Tu hésites à passer soit monter en résolution, soit monter en fluidité. Très bien. Alors. Avant de. Donc, Goblex, actuellement, si ma mémoire est bonne, c'est toi tout à l'heure qui m'a dit donc tu hésitais à prendre un 3800 pas au hasard. Donc, ne le fais pas, n'achète surtout pas un 3800, un Ryzen 7 3800. Et tu hésitais également. On va aller faire la quête. Attendez, je suis qu'à niveau. Non, je vais continuer la quête un peu secondaire. Et tu hésitais, tu as une 1066Go. D'accord. Eh bien, on va essayer de faire simple. L'évolution de 1080p à 1440p apporte plus de netteté dans les jeux, tout bêtement. Pourquoi? Une résolution supérieure implique plus de pixels, implique en gros que le jeu est globalement un peu plus joli. Bon, en gros, il y a 70% à peu près de pixels en plus. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a certains jeux où cette évolution n'est pas forcément flagrante. Deux secondes, il y a encore une quête qui se lance, évidemment. Désolé. Terrible. Et je te réponds après également All Stars, hein, mais je réponds aux questions de l'ordre. Et merci encore pour les 75 balles, putain. On est à 400 euros et 25% de la cagnotte. C'est un mauvais présage. Sobek est malade. Betsuko s'est en colère. L'image de Sobek montre la volonté du dieu. Qu'allons-nous faire? On est à un quart de la cagnotte déjà. Merci à tous.
Continuez à prier. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, bordel. Ah, c'est dingue. Ok. Et donc, attendez, je vais me poser deux secondes. Voilà, voilà. C'est vraiment un plaisir à parcourir. C'est pour ça que je m'étais promis, tu vois, de faire un petit peu de papillonnage sur le jeu, prendre mon temps. Et si tu regardes le planning, n'hésite pas à aller la voir. Après, c'est Odyssée. Tout à fait. Si je t'encourage à aller voir le planning que j'ai mis à jour All-Star. Je sais pas si tu as checké. Il n'y a pas encore Odyssée sur le planning parce que ça va dépendre de quand je finis Origins. Idéalement, j'aimerais finir Origins vendredi. Voilà, ça c'est dans l'idéal, mais fini vraiment. Donc c'est-à-dire fini l'histoire principale du jeu, pas 100%, tu vois, mais finir l'histoire principale du jeu et peut-être, disons, on m'a parlé des choses un peu comme les navires de Black Flag, c'est-à-dire qu'ils ont des gros boss à faire. Donc faire au moins, tu vois, vraiment tous les fils à cake, ce genre de choses secondaires. Je croyais que les crocodiles sacrés étaient apprivoisés. Et bonsoir à toi, la prod. Et donc, Hérésie, je n'ai ni les moyens, et actuellement, il me faut un délai factuel. Est-ce que ce bec nous châtie ? Mec, même les dieux tournent le dos au peuple. Absolument, 3 décembre. Décembre, pas novembre. Et je serai dessus des watts. A ramené le dieu dans le bassin du temple. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Non, non, ça fait longtemps. Mais Fritex, pourquoi tu poses ces questions ? Ça fait des mois que c'est... Non, je reprendrai la sauvegarde où j'en étais, par contre. Mais de celle avec le rollback. Tu m'exiges en termes de résolution, plus ton porte-monnaie t'apprécie. Ou en termes de framerate pour le coup. Parce que monter à plus de 240 FPS a un intérêt aussi pour certains types de jeux. Et c'est. C'est l'air agité. Je vais essayer de me faire discret. C'est compliqué. Hein. C'est très très compliqué aussi. Hein. Carcasse. Elle a été mâchée, mais pas mangée. Histoire Origins, gameplay Odyssée. J'adore l'épée bouclier de Origins, mais il y a des choses plus fluides quand même dans Odyssée. Voilà, je pense que ça répond à ta question. Mais je préfère par contre l'histoire d'Origins que je trouve moins lisse. Un liquide malodorant. Ah, oh, la puanteur me brûle les yeux. Oh, Nick. Un liquide malodorant. Ah, ça, on l'a déjà. Je vois un truc qui brille, il doit y avoir un trou quelque part. Ah, je suis en train de quitter la zone là. Mais là, faut bien que tu aies conscience hein, que si tu changes. Si tu changes de Goblex, hein. Une carcasse. Okay. Si tu changes de, enfin, si tu veux passer, donc il faut l'écran adapté, tu vois. L'écran, cadre graphique. Plus tu montes en résolution, plus ton processeur. Excuse-moi, c'est le contraire. Plus tu montes en framerate, plus ton processeur importe. Plus tu montes en résolution, moins ton processeur importe. Avec un vieux processeur de 9 ans, tu peux jouer en 4K, c'est la carte graphique qui suit. Pour vous donner une idée, je peux vous le prouver. Hein. Ça, c'est une légende urbaine qui vient de je ne sais où. Plus ta résolution est importante, moins ton processeur en a quelque chose à foutre. Voilà. Attendez, comment... Je vois le truc où je dois aller, mais je ne sais pas comment y aller. Et comme c'est dans le noir, je vois rien du tout. Attendez, progression, instigation... Je comprends pas. Alors j'avoue que je suis dans le noir. Hein. Attendez, mais je vois mieux en fait sur le retour de stream. C'est pour ça que j'aime pas trop les écrans VA. Tu vois, Cam 7 par exemple. Attends, je vais essayer d'augmenter un peu la luminosité. Là, c'est de mon écran. Ça sera mieux. Allez, déjà à fond. ah bah oui, forcément. Ça, c'est sûr que là, on est quand même. Oui, c'est un vieux quad-core. Évidemment. Après, n'achète surtout pas un 3800. Ça serait une énorme connerie, Goblex. Hein. C'est le pire des processeurs. Enfin, c'est un très mauvais rapport qui a été pris. S'il y en a un à pas acheter, notamment, c'est celui-là, quoi. Ouais, je comprends pas où je dois aller, attendez. Imagine que c'est un 3007 en plus cher, mais qui n'apporte rien. Simple. Et point d'exclamation octobre, Goblex. Au cas où. Je comprends pas où je dois aller. Quel enfer. Putain, j'ai vu tellement... dès demain, je remets mon écran IPS, hein. Ce que j'avais testé là sur l'écran VA pour faire des tests. J'aime pas. Ah, moi là, c'est vraiment très sombre. Après, encore une fois, c'est parce que j'ai mes énormes lights sur la gueule, tu vois. J'aurais une luminosité normale, j'aurais pas de problème, mais je sais pas où je dois aller. Oh, ça me saoulait, putain. Parce que vous voyez, je vois le truc qui brille derrière le mur.
Mais si je vais au-dessus, ça me fait sortir. Et je vois pas de passage. Oh, ça va me casser les couilles, ça. Ça me dit que je sors de la zone. Regarde. Ça me dit que je... Voilà, sorti de la zone d'investigation, c'est pour ça. Et si je vais là, ça me... Ah, entrer dans la zone d'investigation. Sorti... Non, 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 il faut... Oh, putain. Oh, la quête à la con. Sachant que, attends, ça, je l'ai déjà fait. J'ai fait les deux ou pas? On va refaire. Quelqu'un a été blessé dans l'enclos. Ah. Ils ont monté l'escalier. Ah. Ah. Peut-être ici alors. Ah, c'est là, c'est bon. En fait, il fallait que je fasse la traînée de sang pour que ça marche. On va prendre la torche. Bonjour. Ah, il y avait une condition, c'est pour ça. Ça va être cool demain, ouais. Je casse la conférence AND. C'est 18h logiquement. Son porteur a été grièvement blessé. Les traces mènent à l'extérieur. Ça va être cool. Demain, c'est un gros programme demain. 14h Origins, 18h conférence AMD, 20h vote OS Game 18. On m'attaque? Qui m'attaque? Oh, Croco! Bonjour! Oui, costaud lui! Ok. Merci pour la peau de croco. Alors... Oh, il y a un gros fil à cake 32 en face. On va payer tout de suite. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-bas? Ouais, le niveau 32, j'irai le voir un peu plus tard. Massacré par des crocodiles. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Poison pour les crocodiles, pour choisir les vieux crocodiles, mélanger une fiole brune. Ok. Ils veulent tuer, choisir le crocodile, les autres viennent en bonus. Ah! Ils ont essayé d'empoisonner le crocodile Sobek. L'homme qui empoisonnait les crocodiles. Il tenait ses ordres de Mélina Libiscus. Joli nom pour une tueuse. Elle est à l'arsenal naval de Néorion, au sud. Qui au centre. C'est ce week-end que Notaro. Non, c'est bien ça. C'est Halloween ce week-end. Donc, de votre jeu d'horreur. Absolument. Absolument, absolument. Hein, demain, on est donc le 28 et on votera pour. Donc, n'hésitez pas à proposer les jeux d'horreur hein, si vous n'avez pas encore proposé. Pour l'exclamation OS, proposer les jeux. Oh, mais 15-7 avec ton TN, parce que je. Et ça va être très très chouette. Ou pas. Enfin, moi je vais souffrir, hein, comme d'hab. Ça sera en plus le dernier jour du mois. Donc voilà. On fera ça en mode jeu d'horreur avec les screamers et tout. Quand il n'y a plus Bibou, je vais pouvoir en profiter. Moi, je vais avoir une crise cardiaque, mais au moins Bibou sera loin. Voilà, voilà. Pour l'exclamation planning Konotaro, j'ai mis le planning à jour pour toute la semaine, et y compris pour les deux mois à venir en termes de sortie de jeu. Ah, le VA, par contre, à charme fou, tu vois. Là, ça, en ce moment, je me suis fait pas mal de séries ou au-dessus. Même, j'ai joué à Hades sur mon écran VA, c'était top. Hein. Hades, c'est d'ailleurs. Ça fait longtemps que je joue à Hades en off, et oui. Finalement, j'y joue en off pour l'instant à Hades, et c'est fantastique. Hein. Rassurez-vous, hein, je le streamerai un jour, mais c'est juste que là, parce que c'était comme c'était avec les potes, j'avais pas lancé un live pour ça. Et j'ai déjà une quinzaine d'heures, je crois, sur Hades. Oh, je surkiffe. Hein. Ouh. Non, moi, excusez-moi, parce que j'avais joué avec à l'époque. J'ai 10 heures sur Hades. Maverick, bien sûr, on tourne avec Maverick, enfin avec Nat pour Maverick All Stars. C'est notre chien tous les deux, donc là il a passé 2 mois avec moi, maintenant il va passer 2 mois avec Nat. T'as mis un jour sous l'info Cyberpunk. Tu remarqueras que j'ai pas mis Cyberpunk pendant le planning parce que je ne sais toujours pas si j'allais le faire ou pas. Maintenant que c'est le 10 décembre, je sais toujours pas d'ailleurs. Oh les meubles, 29, il va falloir y aller de manière. L'hibiscus n'est sûrement pas. Il va falloir faire gérer l'assassinat. On a un joli camp à faire. Ouh là là, le 31. Oh là 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 là. Exactement. Oui, mais il y a tellement de choses, on verra. Parce que j'avais prévu peut-être une lane sur Godfall, en fait. Du 10 au 20, Niben, c'est pour ça.
Tout à fait, la prod. Tout à fait, pour le coup. Après, ça a vraiment son charme en termes de contraste. Hein. Yes, Métis, par contre, il a mis un capa. Mais oui, ça a été reporté au 10 décembre. Cyberpunk. Pour le coup. Mais je pense qu'un Métis n'est pas au courant du 10 décembre, en fait. Aider les habitants. Bon, on peut les aider, écoutez. Hop là. Hop là. Ok, reprenons. 150 XP gratuit, écoutez, hein, c'est toujours ça de prix. Hein. Non, mais par contre, commencez pas à gueuler et tout, quoi. Oh là là. Ah bah oui. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Pas très discrètes les madames en s'enfuyant. Bon, après ils ont réussi à s'enfuir, écoutez. Je suppose que c'est le principal. On va aller piéger le feu pour plus me faire avoir. Voilà. Bah comme tu peux voir, on est en 900p, 6000 bitrate. Et je pense que le stream doit être loin d'être, doit pas être dégueulasse du tout. Et la côte, tiens, tout à fait. Je ne suis plus chez Parlas en plus, qui donc me permet de faire de chouettes économies. J'économise maintenant, enfin j'ai 400€ par mois de dépenses en moins. Tant que je suis repassé chez Orange avec leur nouveau forfait illimité. Et coucou Vendetta. Et on a actuellement 0 drop, donc ouais, tout se passe bien. Tout se passe très très bien. Alors j'ai les petits drops, tu vois, parfois, mais du moment que je reste en dessous de 1%, absolument un métis. Oula, t'as pas tout suivi toi, métis. Pour l'exclamation, bandole. Ok, ouf. Et non, Goblex, plus besoin. Orange a fait un nouveau forfait. Ah, bah, enfin, tu viens d'arriver à métis, t'es un vieux vieux, par contre, tu viens pas d'arriver sur la chaîne. Je te connais depuis un certain moment. C'est pas, c'est garanti, All-Star, c'est marqué dessus. Ils ne peuvent pas. En fait, à partir du moment où c'est limité, c'est limité. Il n'y a pas de réduction de débit après un certain moment, quoi. Ah, alors, on va pas. Alors, je vais économiser des sous, mais je vais surtout être moins à l'aise, plus à l'aise financièrement. C'est sur, plus que les économies, je vais surtout être moins ric-rac en fin de mois. Où c'était très compliqué, tu vois. Il n'y a pas la fibre. Enfin, la fibre est en train de la déployer à Mandol. Je l'aurai en 2021, ce qui est une très bonne nouvelle d'ailleurs. Tu m'étonnes, Ciné. Tu m'étonnes. Après, là, la fibre ne me fera pas. Je l'économiserai à 50 balles par mois. Ça, j'en ai pas grand chose à foutre. Oh mon dieu. Oh du pognon, attendez. Oula. Oh, Easy. Merci beaucoup pour le 31e mois d'abonnement, Easy. Comment ça va? La 4G est plutôt solide, ouais. C'est de la très très belle 4G. Et c'est aggro. C'est pas grave, il va se faire péter au niveau du feu. Je le laisse aller au feu parce que j'ai piégé le feu. Par anticipation. Merci beaucoup, Easy, pour le 31e mois d'abonnement en T3. Merci beaucoup à toi. C'est le bon feu ou pas que j'ai piégé? C'est le même ou pas? Attendez, j'ai un doute. Si, c'est bon. On va vérifier. Logiquement, il va faire boum, le monsieur. Attendez, on va regarder ça. Et. Attention. C'est bon, il est mort. What? D'où il me voit, lui? Oh merde, 31 élite. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Non, on se casse. Bonsoir Angus, bonsoir à ceux qui arrivent. Tu as quoi actuellement comme débit? 200 mégabits en download et à peu près 70 mégabits en upload. Et merci beaucoup pour l'os pour l'année de sub! Oh là là, ça c'est beau aussi ça. Alors ça c'est beau, une année de sub. Merci beaucoup à toi, Branlos. Pire pseudo ever, mais généreux tout de même. Ok, j'ai pu lui faire un enchaînement assassinat. Merci beaucoup, Branlos, pour cette année de sub. Merci à tous, là. Oh là, attendez, je suis un peu perturbé, là, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est assez ouf, là, comme journée, ce que vous me faites. C'est tout à fait stable. En fait, en gros, j'ai moins d'1% de refrain quand j'en ai la prod, donc ce qui est pas dramatique. Et je t'emmerde. Ouh, là 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 là, c'est beau, ça. Après, j'aime vraiment pas les bâtons, ceci dit. Alors.
Encore 5 mois. Et pour la belle cravate. Elle est belle, la cravate Amethyst. Moi, je l'aime bien, en tout cas. Alors, attendez. On va faire dans l'ordre. Bientôt, la chute de Sub Kappa. C'est quand? Bah, ce sera début novembre. Mais on va finir quand même le mois de novembre à plus de 700 subs. Hein, donc, c'est quand même pas dégueu. Hein. Mais oui, non, il y aura une chute de subs. On va perdre 400 subs. Mais en vrai, regarde, 400 subs en moins, ça fait que j'ai toujours plus de 300 subs. Avec 80 viewers de moyenne, 300 subs pris par les gens et tout. Bah écoute, moi je suis content. Hein. attends, c'était quand que vous avez fait une folie? C'était le 3 octobre, donc c'est le 3 novembre qu'il y aura la chute de subs. Ça sera le 3 novembre. Alors. Et donc, merci encore Manlos, merci Manlos et Easy pour les resubs. Merci encore à All Stars pour les 75 euros qui fait qu'on est passé à 400 euros sur le goal du PC. Point d'exclamation goal, hein, au cas où All Stars, si vous voulez du détail sur le goal, si vous êtes curieux. J'avais fait une petite vidéo pour expliquer un petit peu la raison de l'upgrade. Voilà, et je crois que je suis à jour avec le chat et tout. Ça me paraît pas mal. Alors attendez, qu'est-ce que je voulais faire d'autre dans le camp? Ah oui, assassiner Mélina Libiscus. La chute du compte en banque, ce sera le 31. Hein, mec. La chute de quel compte en banque? De moi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a le 31? Oh, moi, mon compte en banque, il a déjà chuté là. J'essaie de guérir. Bah, mais il y a une commande. C'est la bonne curiosité là pour le coup. Du tien. Ah, parce que oui, tu m'as dit que t'avais les impôts, ça qui tombait sur la gueule ce mois-ci. Je combattis. Là. Ah, parce que ah oui, c'est une carte de crédit. D'accord. Ah, ça t'a pas encore été prélevé, c'est ça? Ce que t'as offert là, ça t'a pas encore été prélevé? C'est t'es en débit différé, toi? Tu fais partie des gens qui utilisent le débit différé, je suppose. Et pourquoi ça serait un mal d'être curieux, All-Star? J'ai fait une vidéo dédiée. Ça n'a pas de sens d'être... C'est autant, tu vois, on me pose une question sur ma vie privée, je banne, en fait, je perds plus de temps. Mais autant là, c'est une vidéo dédiée et tout, donc c'est pas de la mauvaise curiosité, quoi. C'est pas de la curiosité déplacée, au contraire. What? Mais c'est gentil ça. Mais. Attendez, oula, il se passe trop de trucs là. Allez, ok. Boum, le one shot. Mais attendez, what là? Non mais c'est. Ok, d'accord, et maintenant c'est. Mais et d'un coup, comme as. Et 3. Ah, pour arrondir. Oh, c'est génial. Merci beaucoup, Elric, pour ces. Putain, ça c'est le viewer de l'ombre, ça, Elric. Attendez, ça m'intrigue là. Elric, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elric, qui me suit quand même depuis un an, c'est un viewer de WoW Classic, qui a mis 21 messages, donc un gros viewer de l'ombre, et qui lâche 3 subs, comme ça. Eh ben écoute, merci beaucoup à toi, Elric 762. Pour l'arrondi, ouais, j'ai bien compris. Eh ben écoute, merci beaucoup à toi. Et qui permet donc à Vaguerois, à Jacril et à Ludup de rejoindre la team Cravate. Merci beaucoup à toi, Elric. Pour les 3 subs offerts. Toujours la prod. Manette Xbox Elite. Xbox Elite. Toujours. On va essayer un peu le bâton de cérémonie, tiens, légendaire. Pour la curiosité. Ah, je peux démonter les... Oui, ça se démonte, le légendaire, sans problème, d'accord. On va éviter de le faire pour la collection d'armes, écoutez. Tout à fait. En tout cas, je suis bien à la manette. J'ai essayé un peu la lance, effectivement. Bon, avoir une barre de vie, je t'avoue, c'est pas évident, par contre, hein, en combat. C'est quand même pas évident. Hein. L'arsenal naval est au sud. Oui, donc je l'ai pas encore trouvé, madame. Parce que j'étais à 717 subs, Fritex, et la file des 3 subs passe à 720. Ce qui est un très joli arrondi. Et merci encore, Eric, pour ta générosité. Merci à vous tous pour votre générosité incroyable. C'est un peu le retour en stream avec tous les copains qui étaient là. Après, ceci, on a quand même fait des beaux streams sur Dark Souls. Hein. Je suis quand même assez content des streams Dark Souls et surtout de l'accueil que vous avez amené au stream Dark Souls qui était globalement excellent. Moi, je me suis éclaté à le faire. Un habit pour. Et vous, visiblement, allez à la regarder, donc je suis ravi. Comme la fleur de l'hibiscus. Voilà. Eh ben merci Amethyst, faut que tu fasses un petit F5 pour célébrer ça. Parce que t'as dû lâcher un prime, parce que en fait comme c'est un resub et pas un sub, il faut faire un petit F5 pour que tu puisses l'update. Ça doit être ton troisième mois logiquement. Voilà, je trouve que la seule fois qu'on y a joué c'était en soirée et tout. C'était pas trop dans l'ambiance de stream. En mode radio, le temps que je fasse, mais pas de carbo. Pas de carbo au poulet, c'est trop bon.
Parce que oui, moi j'aime pas les lardons. Ah, des lardons de poulet, ça va, ce que j'ai là. Enfin, en gros, c'est du poulet, quoi. Vive le poulet. Team poulet forever. Elle est où, la madame, la Mélina l'hibiscus? Attendez. C'est elle qui fait dodo? Abby Violet, c'est elle, là? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas elle. Et merci beaucoup, Amethyst, pour le troisième mois d'abonnement avec le Prime. Et bonjour à toi, Hydro. Est-ce que tu as la réponse pour Blizzard, maintenant? Merci beaucoup, Amethyst, pour le troisième mois d'abonnement et la cravate verte comme tes yeux, peut-être, je ne sais pas. Mais merci beaucoup à toi. Ah, mais c'est elle, Mélina! Oh, bah, elle fait dodo! Dommage. Au revoir. Elle a maintenant rejoint le sommeil éternel. Tes cibles sont le gros dit du temps. Prends soin de t'occuper de Petuchos le Grand. D'accord. Une fleur vénéneuse. Ah, je suis très chiant, du côté bouffe. Folle. Je suis effectivement assez chiant. Néanmoins, je suis ouvert à plein de trucs. Temple. Par les dieux. L'argent pourrit tous les prêtres. C'est actuel là par exemple, je vais même bouffer la bouffe vegan pour te dire. Est-ce que je suis fan du poulet? Oui. Est-ce que par contre j'accepte de bouffer autre chose? Oui aussi. Juste que j'aime beaucoup le poulet. C'est comme ça. Et bonsoir Allemand. Merci vraiment encore à tous, à Apogee, pour cette une journée assez fou, assez folle que vous faites. Donc bah. Merci beaucoup. Que côté bouffe? Ah ouais. Tant qu'il y a une canne d'ici, exactement. That's the spirit. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai encore l'ici, et ça, c'est chouette. Un bon rum steak. On a fait un barbecue, d'ailleurs, j'ai encore des chipots et tout à bouffer. Poulet riz, poulet patate, crêpe au poulet, durum au poulet, tu vois, il varie beaucoup. Non, pour le coup, c'est de la, je pense que je crois que c'est de la viande de veau, le durum. Mais non, non, quand même, là-dessus, non. Quand même. Alors, ça, j'aime bien aussi faire les kebabs au poulet, ceci dit, mais bon. Tu sais combien d'heures de jeu il y a au total? Alors, sur quel jeu? Sur Origins, la prod? Alors, ça va être compliqué, si quelqu'un peut lui faire. Point d'exclamation HLTB Assassin's Creed Origins. Ah non, excuse-moi, juste point d'exclamation Origins. Juste point d'exclamation HLTB, c'est vrai que maintenant, il y a de nouveaux trucs d'Alar Alex. Voilà, j'allais oublier ça. Tu as donc 30 heures pour l'histoire, 51 heures pour le main plus extra, et donc 82 heures pour le complet. Kebab, c'est agneau, pas beau? Autant pour moi. Autant pour moi. On va dégager ce bouclier qui ne sert à rien. Donc là, globalement, au vu de comment je progresse, je pense que je devrais mettre une 40 heures. Idéalement, je finis le jeu vendredi. Avec les choses annexes. Sub 30 poulet tikka. Bah, je peux plus, ça m'attend. Goblex. Hélas, je ne peux plus. Ça c'était avant, ça. Ça, c'était le SK d'avant, le sub 30 poulet tikka Subway. Je sais même pas s'il y a des Subway dans le sud, il faudrait que je check. Je sais même pas s'il y a du Subway là où je suis. Ça me manque un peu. C'était bon quand même les petits Subway poulet tikka extra pepperoni. Gardien de Sobek, cette maladie n'était pas un présage des dieux. Les crocodiles ont été empoisonnés, mais ils s'en remettront. Le sud, la prod, clairement. Mais c'est un changement très positif pour le coup. Ces chiens le paieront de leur vie. Le responsable est Setep. Accueillir les copains dans une grande maison et tout a été un bonheur pendant 10 jours. On avait tous nos chambres et tout, c'est trop bien. Setep est le bras droit de Sobek. Il ne ferait jamais ça. Tu es en train de blasphémer. Ah, vous les prêtres. Toujours aveuglés par vos superstitions. Je t'ai dit la vérité. Moi, c'est pas trop loin, ça va, là, Alex. Fais-en ce que tu veux. Les dieux jugeront. Ok. Sabot des barbares, je pense qu'ils vont saisir pour connaître Subway.